voir, comprendre et participer, c'est essentiel pour les jeunes. C'est leur donner les moyens de se construire, de devenir les citoyens de demain. Et c'est bien l'objectif du département de l'Isère au travers de ces actions pour la jeunesse. Cette action aujourd'hui en montagne est aussi une possibilité et surtout un objectif de découvrir et d'avoir une sensibilisation au milieu environnemental. La préservation de la nature, de la faune, de la flore, ils vont découvrir un milieu qui peut-être leur est inconnu et vont se l'approprier. Nous sommes à environ 100 actions proposées cette année pour un montant de 400 000 euros. C'est un investissement, je dirais, pour le département, puisque dès qu'il s'agit de jeunesse, ça n'a pas un coût, mais bien un investissement. L'objectif départemental est bien que les collégiens soient impliqués, acteurs de toutes ces actions. La force de ce projet, bien sûr, c'est une collaboration étroite entre l'éducation nationale et le département de l'Isère. C'est ce qui fait sa réussite. Des sorties aussi loin, j'en ai jamais faites. Donc, c'était une belle émotion pour moi parce que je pensais pas qu'on allait en faire. Les glaciers, j'en vois pas souvent. Je vais pas souvent en montagne. Nos élèves mettent une touche concrète à tout ce qu'on leur raconte, par exemple sur le changement climatique et sur la fonte des glaciers. Ce projet nous permet de mettre du réel dans tout ce qu'ils entendent au fur et à mesure de l'année. On voit les vrais changements climatiques qui s'opèrent de façon beaucoup plus rapide en montagne qu'en plaine. Je pense que c'est incroyable parce qu'on a pu voir les glaciers qu'on étudiait en vrai directement et qu'on a pu voir directement avec des photos avant-après et le après ici, on le voyait de nos propres yeux, la cause du réchauffement climatique. Et c'était vraiment du coup... incroyable et en même temps pas si bien. Un des verrous pour emmener des classes dehors, c'est les financements. Pour affréter un bus, monter là-haut. Et donc ces financements, ils sont vraiment super pour ça. Et du coup, le rôle du département est très important puisque nous avons besoin de financement pour mener à bien un tel projet. Dans notre objectif, c'est de demander le moins d'argent possible aux élèves pour pas faire de discrimination. Et donc le fait que des élèves puissent venir tous et qu'ils ne soient pas bloqués par un côté financier, c'est énorme. Oh.